Ah, là, il y a quelque chose. Ah, c'est un peu loin quand même, hein. Même carrément loin. Sinon, tu peux prendre celle-ci, mais par contre, il faut laisser quelques soldats à Ouais, bah proximité. j'en ai une ici, là. Ou Mais encore construire une des pareil. petites tours pour au cas où des Ouais, colons c'est soient ce que je vais attaqués, faire. se C'est ce que je vais réfugier. faire. C'est avant-poste, c'est ça? Ah, coupe de Avant-poste. 150 en bois, j'ai pas encore assez. Tu veux que je te donne? Non, mais en fait, j'ai pas tellement de colons sur le bois, je vais en remettre quelques-uns. Tiens, je te rends. Ah merci, mais là j'ai carrément trop de colons sur l'or en fait, ils devraient être sur le bois. Hop. Allez plutôt prendre du bois, voilà. Merci. Donc Donc là, vous avez vu, je suis en train de l'envoyer contre les mines. Le mine, qu'est-ce que je raconte? Le moulin. C'est d'ailleurs beaucoup de personnes. Il m'a déjà spotted. Il rentre. Non! Ne rentrez pas et hop. Dommage que j'ai ah pas de putain, on Dumbledore. m'attaque. On t'attaque? Attends, Ouais. j'arrive, j'arrive. Non, non, mais je dois pouvoir gérer le truc, je crois. Ah, ok. Non, je dois pas pouvoir gérer le Ah, truc. tu vas Ils pouvoir. sont vachement nombreux. Bah, je vais voir, mais je crois que ça va être un peu. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah, Rentre un je peu tes... Enfin, ne rentre-les pas, mais genre, mets-les un peu en arrière, tes colons. suis. Ouais. Par exemple, Non, ceux-là. là, j'ai des Lanquenets qui peuvent venir. Ouais, non, là, ça va pas le faire. J'arrive, j'arrive. Enfin, je sais pas si moi, ça va suffire, mais... Je vais les mettre vraiment au-dessus, voilà, pour essayer de les cacher un petit peu au maximum. Ok. Ouais, moi j'ai pas envoyé d'assez soldats. Le problème c'est que j'ai pas assez de... Ah, j'ai pas assez de Bah, je continue à casernes en produire fait. des unités pour Ouais. tant que je peux pour essayer d'enrayer la chose. Bah, c'est sa revanche pour. Ouais. Toujours besoin de bois. Ouais, non, c'est bon, ça va, gère. Tu gères, tu gères. On devrait s'en sortir, je pense. Ouais, je pense que ça va être... C'est possible, c'est possible. Ça va être coûteux, mais. Ce que je vais faire, il est inutile de bâtir des maisons car les centres-villes permettent déjà d'augmenter la population. Bon, je vais choisir cette carte-là. Réfrigération, un fort et ça qui augmente le taux de ramasse dans les moulins. Ouais, mais Ça. faudrait que je passe à l'H3 aussi, mais. Il te manque combien je peux te donner sinon? Ah non, il me manque beaucoup quand même. Puis là, je préfère garder pour faire des soldats et défendre un peu, éviter de me faire. Ils sont encore nombreux chez moi, donc. Ouais, je vais encore envoyer du monde alors. Non, mais je dois pouvoir m'en sortir avec ce que je produis, je pense. Ah, ils se sont repliés. Ah, ils se replient, ouais. Non. Quoique. Je sais pas ce qu'ils font. Ouais, c'était un repli stratégique peut-être. Là j'ai 10 unités d'arbalétiers qui vont arriver en même temps. Ah, cette caserne elle va partir dans les ténèbres je pense. Non, non, c'est bon, c'est bon. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire d'autres casernes, parce que là, c'est vrai que c'est assez lent pour les productions. Ouais. Ah, j'ai des. J'ai de la cavalerie ici qui peut venir aider, limite. Oh non, j'y crois pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Il t'attaque aussi? Ouais, j'avais pas vu celui-là. Bon, c'est pas grave. Ah ouais. Bah sinon, reste chez toi, je vais essayer de gérer chez moi, ça devrait aller, je vais vraiment sortir. Non, non, t'inquiète pas, c'est bon, c'est... Ils sont pas nombreux et puis ma caserne... Enfin, mon centre-ville peut tirer, donc ça va, ça va. Ok. Ouais, parce que là, chez moi, c'est bon, c'est. Oh, ils renvoient la cavalerie, putain. Sous 85 or supplémentaires. Ah oui, j'ai plus d'or du tout, du coup. T'as plus d'or? Attends, je te fie, j'ai quand même beaucoup, moi.
Ouais, parce que j'ai pas trouvé de mine en fait qui soit. Ah, je peux en mettre là, bon, en attendant. Les avant-postes, ça se construit tout seul ou faut quelqu'un pour les construire? Ah, faut quelqu'un pour les construire. Bon, je vais en mettre un là. Puis les colons, ils vont les construire. Hop là. Ah. Ouais, j'ai moins une caserne là. Je pense que moi, ça va être bientôt la fin en fait. Attends, j'arrive, je t'envoie masse. Ouais, c'est bon chez toi, t'en es sorti. Ouais, j'ai réussi à m'en sortir. Parce que là, ils sont encore nombreux chez moi, je sais pas d'où ils. Moi, il me faut de l'or, mais il y a plus de gisements, c'est ça qui est assez embêtant. Ben oui, il y en a un. Moi, je vais construire une plantation, au pire, Ici. bah, je me suis construit une plantation. Comme ça, je m'embête pas. Je vais mettre sur le bois. J'ai essayé de gagner un peu de temps en construisant un avant-poste dans ma base. Ah ouais, moi aussi je me fais un Parce peu. que là, ouais, là j'ai plus de caserne du tout. Non, Hop. c'est bon, je vais m'en débrouiller. J'ai essayé d'en construire une plus loin de caserne. Le problème, c'est que j'en vois que 5 par 5 à cause du Ouais, nombre de casernes j'imagine. et ça fait pas relativement de dégâts en fait. Mais bon. Non, c'est Bah, bon, l'avant-poste, j'arrive. ça va. Ouais, ils sont nombreux quand même, hein. Ils sont en train juste en train de m'attaquer, mais je t'envoie mes 14. Enfin, j'en construis plus. Ouais, ils sont plus que 14, mais bon. J'arrive, j'arrive. T'inquiète pas, J'ai. on va réussir, on va gagner. Ouais, Ah, ils ont enfin. quand même. Ah oui, quand même. Voilà. Ah, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai reconstruit une caserne, je continue de produire des unités au cas où, mais j'ai plus de bouffe. Où est-ce qu'ils sont mes colons qui sont en train de prendre de la bouffe? Parce que là, justement, je ne peux pas appliquer la stratégie de produire des colons en continu, parce que je dois me défendre, donc. Ah non, pour moi, c'est mort là. C'est mort. Non, c'est bon, j'arrive. C'est bon, j'arrive. Ne meurs pas. Ouais, bah écoute. Wow. Ou au pire, essaye de droplier chez moi. Ouais, je vais envoyer mes colons chez toi. Au pire, ouais, je vais essayer de les faire, de faire un gros repli de colons chez toi pour au moins pouvoir éventuellement me reconstruire une économie après une fois qu'ils m'auront. En espérant qu'ils passent inaperçus. Là, j'essaie de les faire contourner vraiment par le bord de la carte. Ok. Parce que je pense que tes 14, ils vont vite être. Ouais, ils sont en train de se faire éclater. J'en renvoie 15. Ouais, moi je vais essayer de reconstruire, me replier, peut-être me construire une petite base à nouveau chez toi. Ouais. Pour refaire front commun. Ok. Je t'accueille volontiers. Je peux construire, je pose un hôtel de ville, non? Enfin, Oui, ça avec ton explorateur, il me semble. ouais. Avec mon explorateur. Oui. Ah. La question, c'est où est passé mon explorateur? Oh Y a non, ils pas ont un moyen. sorti les canons. Ah, il est ici, ouais. C'est bon. Parce que là, je pense que de mon côté, ça va être difficile de faire quoi que ce soit. Oh, tu sais quoi, je vais essayer d'être un peu en retrait et je vais essayer de faire de me concentrer un peu sur l'économie. Parce que là, chez eux, enfin, regarde là où il y a mon explorateur, juste ici, il y a l'air d'avoir quand même de. Enfin, Ah vive. oui, c'est vrai. Et je pense que là, on va avoir du mal à s'en sortir. Bien que je respecte ton optimisme et. Et ils ont pas détruit mes maisons, ça c'est quand même sympa. Enfin, pas encore, du moins. Ils se réservent Non, peut-être pour ils la arrivent fin. vers moi. Non. Ne vous attaquez pas à moi. Bon, je vais essayer de... Il a un canon, je vais essayer de contourner avec mes... Hop, voilà, j'ai réussi à le contourner. Y a mes colons qui arrivent ici, qui sont avec toi. Je vais reconstruire une caserne par ici, du coup. Caserne, voilà ici. Quelle Comme bonne ça, on idée. pourra au moins se défendre de manière. Ah, ils sont nombreux, hein. Ouais, ça J'ai c'est... plus rien comme soldat.
Je suis en train de construire une caserne pour en reproduire directement dans ta base, comme ça ce sera un peu peut-être un peu Quoique, je te plus conseille de efficace. construire ici en fait, parce que là ils sont en train de m'attaquer, je suis un Ouais. peu embêté parce que je cherche des ennemis quoi. En plus, j'ai plus trop de bouffe, ça le seul hic. Bon, je vais les faire bouger. Je vais faire bouger tous mes colons parce que là c'est pas très très facile. Aïe 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 aïe, non, ils me pourchassent. Bon, moi j'ai des colons un peu partout, j'en ai au nord, j'en ai au milieu, j'en ai donc bon. Voilà, c'est bon. Hop. Ils sont en train de s'attaquer au dernier gisement qui nous restait, donc au gisement d'or là. Enfin, aux colons qui étaient dessus. Je pense qu'ils sont perdus. Bon, tant pis. Oh non, le jaune qui vient encore, qui vient rajouter une couche. Voilà, non, là c'est mort. Ah, ah, C'est mort, dommage. je pense. Bah, c'est pas si grave. Pourtant, on aura plutôt. On aura essayé au moins. On aura essayé, puis bon, on aura eu des chances, disons. Ouais. C'est parce que je suis pas assez rapide aussi. Non, mais bon, tu sais, c'est pas grave. Enfin, c'était une Oh, bonne on prendra partie notre quand même. revanche. C'était une bonne partie, il faut l'avouer. Oui, C'était. ça a quand même duré un certain temps. On s'est pas fait éclater au bout de 5 secondes, donc bon, ça va encore. L'honneur est sauf, disons. Bon, ce que je vais faire, Bon, c'est là, que je vais fuir. Fuyons vers l'est. Ouais, je vais faire descendre mes soldats aussi là où j'ai construit ma caserne parce que au moins défendre ça un petit peu. Moi, je vais produire des lanciers, même si ça fera rien. Bah moi je produis ce que je peux là parce que c'est vrai que Quoique je j'ai peux. plein d'or mais j'ai pas tellement de nourriture en fait donc pourtant j'ai toujours des colons qui en produisent, ils sont relativement nombreux. Parfait, juste de la nourriture là j'avais besoin. Bon ça va, mes colons sont un peu éparpillés donc ils ont pas à s'attaquer à mes colons donc ça va. Au niveau de ça, ça m'a l'air plutôt bon. Ouais. Sinon bah. Ah, les colons, ouais, mais c'est pareil, ils sont totalement éparpillés. J'en ai un peu partout sur la carte, donc. Ça, c'est l'avantage d'être à la ramasse. Oui. Mais eux, ils font quoi? Ah, de la nourriture. J'en ai combien sur le bois? 4. Mais en fait, ton explorateur, il peut pas mourir, j'ai l'impression, si. Non, il peut pas mourir en fait. Ah, ça me rassure, tiens, parce que là, il est au milieu de En tous fait, les ennemis. pour le risque, enfin le soi-disant ressuscité, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut amener des unités, enfin, faut que des unités alliées ou toi-même aillent vers le corps et Ouais, puis. enfin, vu là où il est, je vais pas tenter le coup, Ah oui, si c'est vrai. veut. C'est. Non, mon fort. Pourquoi? Non, moi, je suis même pas à l'âge des forts, donc. J'ai construit une caserne avec un avant-poste pour me protéger par une quinzaine d'unités. Ce sera mon dernier bastion de résistance, je pense. En Oh même temps, non. je trouve qu'il faut, dans ce genre de truc, faut jamais s'avouer vaincu. Non, non, faut résister Faut jusqu'à la toujours fin. la bataille bien vue. Quand on a fait une partie de Total War la fois dernière, Oui. bon. On n'a pas enregistré, mais je me suis battu jusqu'au bout, mais avec mes derniers frondeurs, j'étais là à me balader sur la carte. Finalement, j'ai quand même été à l'affrontement parce que je sais que c'est chiant de poursuivre une unité. Le pire, c'est, tu sais, l'IA avec les cavaliers montés. Oui. Parce que jamais elle va désactiver le mode escarmouche et tu vas les poursuivre pendant 3 quarts d'heure dans toute la carte pour. Parce que c'est la seule unité qui reste à détruire et comme elle n'est pas en déroute. Ouais, Ah, ça c'est m'énerve. pas la fin de la partie. Non, tant qu'il y a cette unité qui se balade et toute ta cavalerie est épuisée. Et. Le pire, c'est quand tu dois la pourchasser sans cavalerie. Et là, c'est. Ah oui. Oh, le pire, oui, c'est son cavalerie, mais on est en piqué. Les Oui. Huskies. Alors là, c'est horrible. T'as juste envie de mettre en déroute pour perdre toi-même, en fait. Exactement. Quitter la partie pour te dire, bon, non, non, tant pis, j'abandonne. Je la referai plus tard. Ouais, ils nous ont pas encore eu finalement. On est quand même toujours en train de résister. Donc finalement. On est en train de résister. Ouais, moi ça m'a l'air bon. Je vais essayer de faire Ouais, un enfin là, dernier si tu m'arrives affront. dessus, je Non! pense qu'on a fini de résister.
Oh mon dieu! Ah ouais, non, là c'est. C'est définitivement mort. Et même Ah les oui, c'est mecs ont même violent. des. Ah Ils mais ont même fait il la joue route bien hein, quand même commerciale et hein. tout. Hop. Bon, je peux toujours reconstruire une caserne au nord, remarque. Je vais bouger mes colons, on va faire. On va jouer vraiment la guérilla. Il y avait ici un gisement de. Un mine d'argent là. Bon, dommage. Ouais, j'avoue que c'est dommage. Pourquoi? Et puis Dommage. ils vont redétruire mes maisons, je vais devoir en reconstruire. Non! Et moi, le truc, c'est qu'ils ont toujours pas détruit mes maisons, quoi. Donc finalement, ça reste assez jouable. Parce que j'ai toujours cette maison, ouais, là-haut. Ah, moi, ils m'ont Qui. rasé mes maisons, c'est. Bon, Moi, hop. c'est foutu. Bon, c'est non. Mes J'ai encore colons. 19 Peut-être en bellicistes. profiter pour faire. Bon, de toute façon, ça servira plus à rien de reconstruire un hôtel de ville maintenant. T'as. C'est vraiment. Personne beaucoup d'espoir et d'optimisme. Le mec qui croit toujours qu'il peut remonter la pente. Mais d'ailleurs, on a déjà vu ça, c'était des gens qui abandonnaient parce qu'ils en avaient marre de chercher les unités cachées, hein. Ah ouais? Ah oui, ça existe, c'est assez drôle On s'est d'ailleurs. gagné alors. Oui, c'est vraiment marrant, et les gens sans patience et qui J'ai toujours abandonnent. une caserne en fait. Tu peux pas? J'ai toujours une caserne en fait qui m'ont pas détruit. Ah bon? Ouais, une caserne bah ici là au nord là que j'avais planqué tout là-haut et ça a pas été détruit. D'ailleurs, je pourrais reconstruire ma base exactement à l'endroit. Ouais, c'est vrai, Ce c'est. serait troll ça. Le mec il serait resté à exactement l'endroit où il venait d'être rasé. Hop. Mais par contre, c'est l'or qui va devenir un problème parce que. L'or, ouais, moi aussi, 916, j'ai. Ouais, t'as Ouais, vu, j'ai. 72 donc. Je sais même pas si je peux encore construire quoi que ce soit. Et les derniers gisements, ils étaient bah, là où ils étaient tous, donc. Tiens, je t'ai envoyé encore Ah un peu merci, ça me d'or. permettra de survivre un peu plus longtemps. Qu'est-ce que je vais construire avec ça? Peut-être produire des unités, plutôt. Moi, je peux produire des trucs sans or. Je vais blinder le truc d'arbalétrier. J'ai la blinde de bois et de bouffe. Ok, ah, moi ça va, hop, ouais, bon, moi je suis foutu, Ah ouais? non, Bah, j'ai pas grand chose à. Je vais pas tenir longtemps non plus, quoi. Suffit qu'il me trouve et. Ah oui, toi t'es là, effectivement. Ça annonce mal. Mais ils sont super nombreux en fait. Alors que là, si on allait dans leur base, y aurait plus personne en fait. Non, plus personne. Bon, on va tenter le coup de faire la contre-attaque. C'est ce que je suis en train d'essayer de faire, mais là, je me bats Ouais, je contre vois des ça. Indiens, Je vois ça. c'est Bah, je viens de assez. prêter assistance avec mes 10 unités. 15 maintenant. Ah, ils sont venus pour finir. Non! Mais comment ils peuvent être aussi nombreux partout? C'est pas possible. Ils ont une très très bonne économie, je pense. Ouais, bah ouais, j'ai l'impression, ouais. Je récolte du bois en masse pour pouvoir tenir avec production d'arbalétriers en masse, mais. Quoique je préfère quand même le no rush, c'est je préfère quand même ce mode-là, c'est plus Ouais, bah ça. plaisant, plus agréable, plus confortable à quand tu joues, Ouais, c'est. c'est certainement aussi, je trouve que t'as le temps de te développer, de construire vraiment quelque chose de. Du coup, c'est vrai que c'est plus intéressant après de le détruire, quoi. Ouais. T'as vraiment l'impression de détruire un travail, donc allez, hop, attaquez-moi ça va durer 5 secondes. On va plutôt s'attaquer à l'avant-poste, au moins on aura l'impression de détruire quelque chose qui nous attaque. Est-ce que t'as besoin de nourriture par hasard? Non, ça va, j'ai 500, c'est confortable, je vais même allouer un peu plus de colons à la nourriture. Tiens, je t'envoie C'est quand pas. même 3000. Ah oui, c'est plus confortable en effet. Bah, du coup, je vais produire quelques piquets. Ah, moi j'ai zéro de population. Ah oh, non. Faut que je Ouais, moi. reconstruise des maisons. Non! Bah moi j'ai de quoi faire, mais là ouais. J'ai de quoi faire une petite trentaine d'unités encore avec les maisons qui m'ont pas détruit. Hey, j'ai quand même détruit un avant-poste, hein. Yeah. Ah là, arrive leur armée, là c'est mort. Mais bon.
C'est la résistance de la guérilla, ça a déjà payé, hein. Des petites attaques comme ça, mission suicide. Oui, c'est sûr, ça. Partir de base cachée dans la forêt, ça peut tout à fait payer. À terme. Pendant 10 ans, on garde ses stratégies pendant 5 heures et c'est bon. Ah, je sais pas comment. J'ai même pas d'hôtel de ville, donc je peux même pas recevoir rien du tout. Ah, mais d'ailleurs, tu peux construire par contre des avant-postes qui peuvent recevoir les trucs de métropole. Ah, ça c'est sympa, je vais essayer d'en faire un, ouais. Au moins là-haut pour protéger mes colons un peu plus longtemps en cas de découverte de ma base secrète. Comme le bois n'est pas un problème. D'ailleurs, je peux aussi me construire un centre-ville en fait. Bah, faudrait que j'aille réanimer mon explorateur qui, moi j'ai envoyé un mec le faire, parce qu'on ne doit plus avoir personne. Là-bas, celui-là il est toujours en plein milieu de la route en train de crever, donc. Le pauvre. Ouais, en même temps, bon. Ouais, c'est vrai. Il faut se défendre un peu mieux. Hein. Oh non, mes dernières unités ont été découvertes. Non, courez! Hop. Ah Pas nécessaire en plus. ouais. Ok. Où est-ce qu'elles sont... Ah, tes unités, elles étaient où? Elles étaient... Enfin, elles étaient là en fait. Mais c'est foutu. Mais Ah oui, il m'en reste par là encore. 27 colons. 26. moi j'ai encore. Ouais, je vais retenter un raid là où j'étais. Ah. Avec 16, 22 unités. Bon, pourquoi pas. Je Ouais. continue à produire des arbalétriers en masse. Ah, je les avais même pas vu passer. Ah oui, ils sont Ah. là. Bah, ils vont plutôt aller là, alors mon armée. Parce que là, c'est mes dernières unités aussi, mes derniers colons et tout. C'est la dernière poche de résistance, donc. J'ai quand même été. Je peux Moi, je quand même fais. reconstruire un centre-ville exactement là où j'étais avant. Ah, j'ai même pas assez de bois. Je dois même faire jusqu'à. Je dois jusqu'à aller faire combattre mes chiens pour. pour survivre. Oh. Ouais, moi là je vais plus avoir de quoi. Ça va être la dernière attaque parce que je pense que. Ah, bon, il me reste encore quelques soldats, ça va, ça va. Bah, moi après j'aurai plus de colons. Ah, eux je peux les. Non, ils vont être découverts, je peux les faire surplier, mais à mon avis je vais pas réussir à les faire bouger. Non, non. Ils vont récolter jusqu'à la mort, comme ça me permettra de résister plus longtemps après. Parce que là je pense plus que j'ai des colons cachés, non. Ils sont tous. Ouais, ça sent la fin quand même, hein. Allez, moi j'envoie encore mes 20 unités qui restent faire une dernière attaque offensive et... Avec 15 unités, tenter de défendre la dernière poche de résistance, et il restera après mon explorateur et un piqué, qui iront faire un rush suicide certainement sur la base ennemie. D'ailleurs, je vais faire aussi un Oh, rush sur suicide avec ressources. mes colons. Ah, regarde ça ici. Où ça? Le mec, Aïe. il y a blindes de paquets. Tu penses qu'on peut s'en emparer ou? Oui, tu peux, tu peux. Oh, je vais faire un rush avec mon explorateur pour essayer de prendre tout ça. Enfin, mon explorateur et son garde du corps piqué. Quand est-ce que je suis éliminé d'ailleurs? Parce que faudrait pas que je C'est sois éliminé avant. dès que toutes les unités militaires sont mortes, que tous tes colons sont morts et que dès que ton colon est aussi mort en fait. Ok. Pas ton colon, ton explorateur. Explorateur, ouais. Mais en fait, il faut qu'il explose tout, en fait. Ouais, voilà. Mais enfin, ils sont dans la logique que même si t'as plus rien, t'as plus de Ouais. colons, mais qu'il te reste ton explorateur, tu peux toujours aller chasser des trésors pour essayer de reformer en fait Ah oui, ouais, ta d'accord. nation en fait, ta civilisation. Je suis en train de lui voler son or, je suis en train de ramasser à côté de mon ennemi. Mais exactement, ouais, bah c'est exactement ce que je voulais faire. C'est vraiment la. En même temps, on aura montré à tes abonnés une nouvelle stratégie, la stratégie de la guérilla. Et. Oui. Au moins Pas c'est. tout à fait au point, mais bon. Voilà. Ah. Bon, maintenant ils vont se battre, je pense. Ah, même pas. Ils sont là, tranquilles. Bon, bah je vais construire. Ah, bah si, voilà, il fallait qu'ils se battent pour finir, hein. Après Ouais. avoir longuement ramassé des ressources ensemble.
C'est comme un jeu sadique, hein, si on y repense bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour gagner, il faut tuer les... mais tout le monde, des civils. C'est vrai, vu comme ça, c'est en plus c'est le seul jeu où bah, finalement ça se termine par l'annihilation totale de la civilisation oui, de l'autre. C'est ça. Quoi, dans Total War, finalement tu détruis aussi des nations. Ça m'a fait bizarre de, parce que enfin quand tu joues à Empire Total War ou ce genre de choses, c'est bizarre parce que quand tu joues à Rome Total War ou Medieval de Total War, c'est encore des trucs qui sont loin, tu vois. C'est des nations, tu dis bon, si elles disparaissent, ça change pas fondamentalement l'histoire, tu vois. Mais là, quand j'étais Empire Total War et que j'étais les Anglais et que j'ai fait disparaître les États-Unis, ah bah oui, merde, les Anglais qui étaient quand même en train de prendre, qui avaient fait disparaître la France, qui étaient en train d'annihiler l'Espagne et avaient fait disparaître les États-Unis, qui avaient toute la côte ouest des États-Unis, je dis ouais, c'est quand même un changement majeur sur l'histoire. Oui, en effet. C'est vrai que... mais Fire, ça me donnerait bien envie d'y jouer à ce Empire. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé. C'est le jeu qui met vraiment le plus de changements depuis. Parce que Medieval 2 tout à l'heure finalement était bien, mais il incluait énormément des modifications qui avaient été faites dans l'extension Barbarian Invasion. Donc finalement, c'était. Pour moi, il y avait Barbarian Invasion qui était vraiment une sorte de. Par rapport à Total War, une sorte de 1.5, et Medieval 2, c'était l'aboutissement du travail qu'ils avaient déjà fait dans Barbarian Invasion. Et Empire, ils prenaient vraiment un autre départ avec toutes les nouveautés qui ont été faites et qui sont tout simplement énormes, quoi. Rien que le fait que la gestion elle soit divisée sur la province en différents quartiers, t'es plus qu'une seule capitale où tout est géré, c'est beaucoup plus réaliste. C'est beaucoup, enfin, moi j'ai beaucoup accroché. Mais c'est vrai que quand t'es vachement habitué, moi qui joue depuis Medieval 1 Total War, c'est vrai que la prise en main au départ, tu perds tes réflexes. C'est la première partie que j'ai faite, mais je me suis fait laminer en mode normal. Parce que justement, c'est pas les mêmes réflexes et la gestion elle est tout à fait différente. Et tu pars plus non plus sur une optique de conquête totale du monde, etc. Mais plus sur un truc de. De. Plutôt politique. Enfin, pas politique, ouais, mais. Politique, plus. Ouais. Il y a une gestion, comme à chaque fois, ils ont augmenté la gestion de la diplomatie, les protectorats qui sont de plus en plus. Par exemple, tu as toujours une mission avec les Anglais, bah, tu as des missions qui te permettent de récupérer les 13 colonies, donc tu récupères 13 provinces en remplissant une mission. Des nouveautés qui sont vraiment très appréciables. Et rien qu'au niveau de la carte de bataille, c'est un grand renouveau, quoi. Le fait d'avoir à gérer avec les fusils, ça t'oblige à repenser toutes tes stratégies, etc. C'est vraiment. Un gros renouveau sur la série, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas. Voilà. Ouais, il a l'air. Ouais, franchement, je vais m'y pencher. Ouais. Je vais m'y pencher, franchement. Ouais, bah, moi j'ai. Il a l'air pas mal. J'ai acheté les deux, en plus je les ai pour pas cher sur Amazon, genre j'ai eu 5€ pour Napoléon et Empire, quelque chose comme ça. Ah, ok. L'édition GOTY. Alors là, par contre, je sais pas, je suis toujours pas mort, mais je crois qu'il reste que mon explorateur qui est. Il est mort, ton explorateur. Ouais, mais je suis tout. Ah non, il me reste encore. Hey. Il te reste quoi? Il me reste. Voilà, il est ici. C'est ma dernière unité. Ah, c'est pour ça. Et en plus, il rage. Il est en train de te chercher. Il s'en va. Mais il est où? En fait, c'est qu'un. Un arbalétrier. Oh putain, j'arrive pas. Arbalétrier qui reste. Arbalétrier, non, tu vas pas y arriver. Je vais pas y arriver. Moi, ils m'ont annihilé tout. J'ai plus rien. C'est foutu. Bon, allez le suicider quand même parce que c'est. Je vais pas laisser la partie durer des plombes. Ce serait marrant, je le fais tourner sur tout le tour de la map, tu sais. Oui. Et ils abandonnent et on gagne. Et hop, ils foncent sur toi. Ah, ils sont passés à côté de toi. Ah. Bon, là, ils sont où? Parce que je vais quand même terminer la partie là. Juste en haut. Ouais, je vais remonter parce que. En plus, comme toi, t'as vu sur toute la carte là ou... Ouais, toute la carte, j'ai. Tu pourrais trop m'aider à. Oui. Les trucs. Ah, maître du troll. Imagine le mec qui abandonne juste pour aider son coéquipier, genre là, il y a des unités qui arrivent. Là, je les poursuis, non? Ouais, ils sont un peu rapides. Hein. C'est la poursuite. Le mec, c'est Rambo en fait. Il dit, oui. Non, mais c'est pas... Moi, je vais tous les détruire. Voilà, t'arrives prêt. Ah, et là... Allez, ton exécution, c'est parti. Peloton, hop. Là. Ah là là, ça fait quand même une très très bonne partie. Hein. Enfin, c'était pour le fun, on s'est bien marré.
On va voir un peu ce qu'ils avaient. Ils avaient quand même une très belle civilisation. Enfin, ville plutôt. Ouais, Les petits towns. Ils sont très brouillés. Pour ma première partie multijoueur sur. Ouais, ils avaient même le temps de développer le train et tout. Ouais, c'est Ah oui. carrément. Ouais. Pas mal, pas. Oui, bah c'est bon, on a compris que vous avez gagné. C'est pas la peine. Oh, c'est une De couche. démarquer. Merde. Moi, j'ai même pas dépassé l'âge colonial, donc bon, ça va. Bon, bah alors, je vais retourner dans le menu principal. Donc, franchement, un vrai plaisir d'avoir partagé cette vidéo avec toi. Ouais, exactement. Écoute, la prochaine fois, je vais essayer de m'entraîner un peu tout seul pour la prochaine fois. En plus, quand même, montrer à tes abonnés une victoire, ce serait Oui. pas mal. Et puis, je te rendrai l'appareil sur ma chaîne dès que possible. Pas de problème. Et puis, c'était un plaisir de tourner avec toi. Voilà. Tout pareil pour moi. Et puis, je redirigerai bien entendu mes abonnés vers cette vidéo. Voilà. Donc, à mes abonnés qui viendraient la regarder, Bonjour, bonjour bonjour. et au revoir. Donc, bon, bah alors, on va vous laisser là. Donc, sur cette belle. Enfin, je sais pas si tu la vois, mais c'est cette belle ville que j'ai, l'Espagne. Et, bah, à bientôt tout le monde. Merci à toi, Amy Geek. Et à bientôt. Merci à toi de m'avoir invité et puis à une prochaine fois. Ciao tout le monde!